Ce stage, il s'adresse, je veux dire, en priorité à ceux qui ont envie de faire de la musique avec des enfants. Alors, il y en a dans la profession, le métier, donc c'est quand même à ceux-là que le stage s'adresse en priorité. L'objectif est de présenter d'une manière générale le catalogue des mots ludis qu'il y a dedans, quelle est la diversité des œuvres qu'on peut approcher, aborder, mais en même temps, c'est aussi de pouvoir se coltiner quelques pièces, c'est-à-dire de voir en fait concrètement comment ça se passe. Et puis à partir de là, il y a évidemment un échange sur la pédagogie en général, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui pourrait être... pour une année. C'est juste qu'effectivement, vous pouvez gros instrumentaire, il y a des choses qui mettent des bâtons dans les roues, mais il voilà, faut adapter, effectivement. Oui, en plus, un coup d'art le diriger, ça. Avec eux, c'était une direction, c'était pas en autonomie. Je fais le récitant, simplement pour faciliter rapidement. Quand je songe à cette dans le stage, on essaie chaque fois aussi de ne pas en rester à l'œuvre elle-même, la pièce elle-même, mais de voir à partir de cet objet-là comment est-ce qu'on peut faire tomber les cloisons et ouvrir les portes sur d'autres pratiques artistiques de tous ordres. Alors, c'est pas jeune, ça date de 93, hein, mais Corpato est une référence dans le domaine des musiques du monde et notamment, il a fait un collectage mondial colossal. On passe très souvent effectivement des vidéos pour montrer comment des enfants ont pris ça en main et en ont fait un objet musical. Et super, voilà. Manuel Estel. Manuel Estel. Intelligent. au plus simple. Toute la journée, là, on va faire ça. C'est ça le secret, en fait, je pense, de la pédagogie, c'est que on va trop vite. Quoi. On écrit son prénom. Ça ricane, laissez ricaner. Moi, laissez ricaner, je gérais le groupe, évidemment, mais. Restez bien concentré dans votre proposition et puis voilà, on dessine une fleur, un soleil, on dessine le personnage de la chanson qui vient, etc. etc. Voilà. Et puis tout ça pour faire en sorte que la plante de pied soit la plus adhérente au sol et puis que ces racines-là s'enfoncent le plus profondément dans le sol. Ne sert pas qu'à transporter la tête.
phrase à retenir, c'est l'inspire est réflexe. L'inspire n'est pas actif. Et puis, la question de des résonateurs, de la vocalité, c'est la question de ce qu'on appelle la conduction osseuse, le fait que le larynx est en contact plus ou moins avec les cervicales, et donc avec le squelette. Et plus on a une voix qui conduction osseuse développée et riche, plus la voix est plus agréable pour nous et pour ceux qui écoutent. D'une part, et d'autre part, d'expérimenter toutes les résonances. Aux enfants, ah ben aujourd'hui on va improviser. Allez-y, improvisez. C'est moi, j'improvise mille trucs et puis eux ils répondent, là là là. Et à un moment donné, qui propose quoi? Ah, moi, tac tac tac, etc. Et après ça fleurit de soi-même.